Cette année, 16 écoles participent au projet Mon école zéro déchet, zéro gaspille, lancé par la Pével Carambo. L'objectif est que les élèves travaillent sur la réduction des déchets et sur le gaspillage alimentaire grâce à des ateliers. Les CM2 du groupe scolaire Philippe-Laurent Roland de Pont-à-Marc font partie de l'aventure. Nous sommes allés les rencontrer pour en savoir plus. Bah depuis très longtemps, j'ai des collègues qui font le compost. Donc il y a des enfants qui sont à la cantine et qui surveillent un petit peu ce qui peut être mis dans le compost de l'école. Moi, je me suis dit, moi, mon niveau aussi, il faudrait qu'on s'y mette. Et c'est surtout aussi que je me suis rendu compte qu'on gaspillait énormément de papier et je voulais trouver des solutions pour réduire ce papier. Au niveau de la classe, on s'est réunis par groupe et je leur ai posé 3 questions. Je leur ai dit essayez de définir ce qu'est un déchet. Je leur ai demandé aussi pourquoi on vous casse les pieds tout le temps avec les déchets, pourquoi on parle de déchets, pourquoi c'est un thème important. Et on en est venu à se dire, il y a vraiment beaucoup de déchets, comment on peut faire pour les réduire, quelles pourraient être les pistes. Comme par hasard, il y avait dans une lettre info de notre inspection la proposition justement de participer à un concours pour pouvoir avoir des interventions sur mon école zéro déchet, zéro gaspille. Tout d'abord, on va avoir des interventions de Madame de Carnin qui va venir dans la classe nous expliquer un petit peu ce sur quoi on travaille et surtout sensibiliser les enfants sur ce qu'ils peuvent faire et à l'école et à la maison dans le cadre du zéro déchet, zéro gaspillage.